Ah putain, cette map, je kiffe El Chateau. Pour le stuff, je le remontrerai après, pardon, j'ai oublié. Non, c'est mardi Dobbs où je juge un perso. Alors sur cette map, j'utilise la décadence. Et regardez, regardez les dégâts. On est à 50% crit. Hein. Donc là, si on faisait 2 crits, il prenait un moins 3000. C'est cool, non? C'est cool. J'ai un peu plus de 4000, Uri. 4000 dini, ouais. Piège mortel, mais avec peu de portée, hein, son piège, parce que... Ah, d'accord. Ah, bah oui. Il est totalement safe, là où il est, hein. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Voilà. Donc ça, c'est vraiment la map du kiff. Cette map-là, je peux pas suicide. Plutôt du Xel, du SRAM. SRAM, ça peut le faire, c'est jusqu'au moment où les gens vont commencer à intégrer mon pseudo, ça va être compliqué, ça va être full stream hack. Mais le Xel m'intéresserait à l'occasion, ouais. Xel du Sadi, Eka du skill pour Pastèque. Non, mais il n'y aura pas de Sadi, calmez-vous. Salut Warzara. Je sais pas si t'es sur le live. Il y a des classes que je ferai pas. Je pense pas faire un steamer, par exemple, parce que j'ai déjà mon steamer 200 sur Hush. Je pense pas pour l'instant faire de mode Docrit. Donc on va mettre de côté le Roublard Erdocrit et l'Uppermage Tison. Parce que je suis toujours pas prêt à lâcher 30 millions pour un Cocult. Hop, on lui a mis un très gros tour. Il reste 1400 points de vie. Iris, Victoria. Et voilà, c'est ce qui se passe très souvent. On leur fait un T1 comme ça. Et derrière, ça passe tour. Alors sur cette map, attendez, on va essayer de deviner la vita qui va lui rester après mon T1. Je vais dire 1600. Putain, il a 30%. Ah, 2004. Bah ouais, mais il y a 30%, c'est quoi cette affaire? Et je vais partir sa PO. Donc, Canaps. Ça va. On rentre bien dans le cliché. Ok. Ça marche. On va le ruiner, hein. Là, j'ai mis un ébène. L'ébène lui va faire. Lui fait du 300. Tour prochain, ça lui fera du 450, peut-être. Tu l'as torché, Rakosa LOL, ce Sadi? Ouais, il a pas l'air très dangereux, hein. Non, il est calme. Donc on va se choper une ligne de vue en le dégageant comme ça. Bon, 3 tours. 3 tours sur cette map, c'est un tour de trop. Hein. Ok, sur cette map, c'est free. Très bien, on va se mettre ici. Il lui reste 1700 points de vie. On tape sur un crâne niveau 200 avec 20% et il suicide. On enchaîne. C'est juste con que le combat dure 20 secondes. La recherche dure 3 minutes. Salut Artorias. Ouais, je vais te montrer le stuff. J'ai noté d'ailleurs. Putain, j'ai plus le stylo ici. J'avais un stylo à 2 secondes. Ah putain. Ivoire. Je ne m'y attendais pas. Faut que je note. Putain, il est où mon stylo? Je vais écrire avec mon sang. Attendez, je dois jouer d'abord.
Faut que je vous fasse les stuffs parce que ça va revenir souvent. Là, on est sur un stuff opti. Donc en stuff full opti, c'est ce genre d'équipement que j'utilise. Sur un perso R, full Alistair, double clim, double quartz, 4 feuilles, alliance glours, amande ébène. Full Dofus. Donc un Eka qui va jouer terre. Peut-être un chevelu mal FM. Contre-coup, ok. On se laisse pas abattre. Hein. Je pense terre de poux. Il y a même un terre de poux. Hein. Parce qu'il a... Il a zéro tacle. Ok. HP, il a mis un... J'ai mis un ébène. 1600. Est-ce qu'il me tue? Il y a moyen, hein. En vrai, il y a moyen de... Non, c'est bon. Ouais, c'est ça, il est terre de poule, il a un bivalve, je viens de remarquer. La balle anti-stress use la balle. Oui, ouais, ouais. T'as raison. Il s'échance des cas. Est-ce que ça va suffire? Bah, normalement, oui. Ouf, l'ébène à moins 500 quand même. Non mais stop. Putain, les Eka flip. Ça suffit maintenant les Eka. Ça suffit. Je supporte plus. Vous faites trop durer là. C'est dans vos gènes, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Il aurait pu faire un truc encore pire, c'est Modora. Là, j'aurais pas supporté. Attendez, j'ai une map de ouf. Putain, on tape sur le 30% le château. Hein. Là, je viens de faire du 1000 x 2 sur du 30%. 30% le chat. J'aurais pu faire 1500. Ok, ça donne quoi au niveau de Stropole? D'accord, donc quand même 30% environ, justement. Qui aime les truites seulement dans mon chat? D'accord. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Palourde royale. C'est quoi ce truc? J'arrive pas à vous retrouver la vidéo. En fait, c'est de l'huître qui font frire. J'avais jamais vu ça. Alors, c'est des huîtres du Japon. Ces huîtres, elles sont immenses. Hein. Regardez la taille de l'huître. C'est un truc de fou. Donc, ils font cuire ça dans leur jus. Ok. Et en fait, ça fait une moule. Une fois cuit, ça fait une moule. Une grosse moule. Donc, ils mettent dans de la panure. Ils mettent dans l'huile et ils font frire. Ça a l'air pas mal, hein, quand même. Ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air cool. Après, ceux qui n'aiment pas les huîtres, je sais pas, mais ça ressemble plus du tout à une huître. Parce que peut-être ceux qui n'aiment pas les huîtres voient l'huître crue comme ça dans une assiette froide. Mais comme ça, ça peut peut-être vous donner envie. Ok. Alors, un Kra qui n'a pas beaucoup de vie, c'est sûr. Il joue avec un ivoire, mais on va quand même le tuer rapidement.
Ok. Ok, Black Gun. Oui. Il joue quand même. Ça, je m'y attendais pas. Il va se mettre ici. Ah non. C'est chiant. Ouais, c'est un peu chiant. Ah, c'est bon. Il joue plus. Il a fini.